50 ans, George Clooney porte toujours beau. Rien de surprenant à sa télégénie, il est fils d'une reine de beauté et d'un présentateur télé. Aujourd'hui auréolé de succès, ça n'était pourtant pas gagné lorsqu'il s'est installé à Los Angeles en 1982. Le jeune George enchaînait les rôles dans les pilotes de séries jamais diffusées, une petite quinzaine quand même, et les nanars comme Le Retour des Tomates Tueuses. Son premier rôle majeur dans la série R, à ne pas confondre avec R, Urgence, en français, ou U grave, il incarne ce Duros qui le rendra mondialement célèbre. En début de carrière, il accumule les rôles de belle gueule à gros cachet dans les films d'action, qui lui permettent du coup de jouer dans des films d'auteur, comme au Retrait des Frères Coen, pour lequel il ne demande presque rien. Avec son acolyte Steven Soderbergh, pour qui il a joué 6 fois, il fonde Section Étant de Monde. Au sein de la Warner, la structure finance des films indés, aussi bien que des blockbusters comme les deux premiers Océans. En 2002, Clooney réalise son premier film, Confession d'un homme dangereux. Et le danger, ça le connaît. En 2003, George se blesse sur le tournage de Syriana, pour lequel il prend 20 kilos, et, beau joueur, mais engage sa maison de L. A pour pallier la défection des assurances pour le tournage de Good Night and Good Luck, son second film. Ses choix audacieux lui ont valu l'un des Pantz Spirit Awards du Festival du film indépendant de Los Angeles. Engagé politiquement, pour des causes humanitaires et en soutien à Barack Obama, George n'hésite pas à mouiller le maillot. En 2012, il s'est fait arrêter pour avoir franchi un cordon de sécurité lors d'une manifestation devant l'ambassade du Soudan. Deux fois couronné homme le plus sexy du monde par People, un honneur réservé à peu de monde, sa vie sentimentale reste un mystère. Marié 4 ans avec Talia Balsam, en couple 3 ans avec une serveuse française, Céline Balitran, puis 5 ans avec Lisa Smodon, il a officialisé avec Stacy Keblé en octobre 2011, après l'échec de sa relation avec l'italienne Elisabetta Canali. Le 27 septembre 2014, George Clooney épouse Amal Alamuddin à Venise. Le 8 février 2017, un proche confirme à l'AFP, la grossesse d'Amal Alamuddin, elle attend des jumeaux, une fille et un garçon Eli Alexander, les jumeaux du couple viennent au monde le 6 juin 2017.